Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Et je suis avec l'Infect Younstar et le Kikou Scorpion. Wouhou. Et nous allons vous présenter une petite game sur Empire Total War, un petit 2v2. Donc grosso merdo, il y a moi qui joue la France, mon allié Youn qui commande la Prusse. En face de Younstar, tout au loin là-bas, c'est quoi? C'est un Suédois, ouais. On a JDD Del Signor. Et son allié, Scorpion, qui commande une Prusse rivale. Alors les compos d'armée, c'est assez... Alors la seule règle, c'était aucune artillerie fixe, mais on a des compos d'armée assez balancés. On a tous un petit peu d'artillerie mobile, de la ligne. Il n'y a pas de... Pour être efficace en Empire, je pense qu'il faut avoir des armées assez balancées. Le seul point, je pense, c'est... Là, j'ai mes troupes d'élite qui sont planquées dans la forêt, dissimulées. Donc du infanterie vieux, du Scottish et du tirailleur. Et je crois que c'est tout. Directement, il y a... En fait, je me suis lourdé. Je pensais avoir pris des canons plus légers que ça. Et je me rends compte que mes canons, c'est des 24 livres de la garde. Je pensais pouvoir me déployer plus rapidement que ça. Et c'est vrai que sur le coup... Surtout que là, on a l'habitude de jouer ensemble. Donc on sait à peu près comment on joue chacun. Donc mes beaux 24 livres, je fais la gueule. Là, je suis comme ça. Putain, non, attends. Surtout que je vois là les petits canons légers de Scorpion qui, eux, arrivent se mettre en... Ouais, t'as la hauteur et tout, là je fais la gueule. Hein. Tu fais la gueule, mais le problème c'est que moi j'ai fait la plus grosse connerie du siècle, c'est que j'affronte des canons de la garde de face. Ouais, c'est vrai que les 24 livres de la garde ont aussi un moral complètement pété, hein, faut dire ce qui est. Oui, ils sont une précision à fin. Plus précis que les 6 livres. Ouais. Exactement. Mais bon, là j'étais un petit peu confiant parce que j'allais avoir le premier feu, machin, j'étais sur une colline. Mais bon, après, c'est des canons de la garde, quoi, c'est pas très drôle. Ouais, là c'est vrai que ça commence à... On est face à face, ça y est, mais voilà, nos deux tirs se croisent. Oui, mais moi je fuis. Et là j'ai la salve qui fait mal, ah là 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 là, ouais. Directement, 5 tués. Ah ouais, putain, ouais, exact, il y a une batterie 5-10, ouais, ça fait mal. Tu me shotes 2-3 cavaliers derrière aussi, donc c'est gratuit. Hein. On engage le duel d'artillerie proprement. Et pendant que du côté de Dune, ouais, voilà, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah moi pour l'instant j'ai fait un petit peu de la merde, mais bon c'est pas grave. T'as mis tes canons en place. J'ai avancé mes Jaeger, bon mes canons je les avais avancés sans aucune protection, donc comme un con, je me l'ai acheté. Putain, ta foire, t'aurais tiré dans les cavales, dans les dragons là. Ah putain, les obusiers de JDD. Ouais, ils vont s'amuser. Hein. Ah bah oui. J'ai vraiment pas regardé ce côté du front quand on faisait la bataille, donc on était vraiment concentré sur notre côté. Oh putain, les canons de Youn qui avancent tranquille, obusiers de 24 aussi. Là c'est cas, mais tandis que là-bas on voit les tirs de shrapnel, on est en train de salement se foutre sur la gueule, hein, à coups de canon. Mais oh, d'un côté. Oh là là. Et ouais, clairement on voit que les 24 livres de la garde ont un plus gros calibre, sont plus précis, ils font le café, hein. Il y a déjà 9-10, oh là là, les pertes sont lourdes dans l'artillerie prussienne alors que moi j'ai quasiment pris aucune perte. Et là, les canons de JDD qui arrivent. Chose incroyable, JDD vient m'aider. Alors avec là, des canons légers, ça fait drôle de voir JDD jouer avec des canons légers. Et là il arrive et il vient mettre ses canons à côté du Prussien, donc moi ça je suis content, je lui dis ah bah parfait, hein, encore plus de cibles. Mais moi, nous aussi on rigolait, on se disait bon on va, enfin rigoler gentiment, hein, mais on va écraser par supériorité numérique. Ce qui était un choix malin, sauf que les canons de la garde sont juste... ils font tellement mal qu'au final à 3 ils en valent 4. Voilà, bah là on voit une artillerie prussienne qui est en train de foutre le camp. Et là c'est le problème, c'est que je n'aurais jamais dû engager ces canons, vu que je sais qu'ils sont très lents. Alors là, comment ça se passe chez Youn? Bah de mon côté, je crois que je viens de perdre mes canons, quasiment. Ah oui, oh putain, ouais, en effet, t'as perdu déjà une batterie entière. Puis en plus, tu commences une attaque, une approche avec tes fusillés. Ouais. Bah ouais, bah parce que vu que mes canons sont mal engagés, là je vais essayer d'aller lui choper ses obusiers avec mes Jaeger. Ses canons sans protection avec les... Ah oui, non, il a les gardes du corps d'infanterie de Suède. C'est pour ça. Ouais, mais bon, les gardes de Suède, c'est des unités à 70, c'est pas des unités à 125. Ouais, mais si s'approche, je vais les voir venir de loin. C'est clair, là, t'as clairement l'avantage. Ouais, par mais contre, le problème, c'est que s'ils sont arrivés engagés. Il y a la colline devant, est-ce que ça va aller... Je sais plus si ça va passer. La salve. Oh putain. Oh, ça fait très mal. Jolie salve, des... Ah si, ils ont cassé de l'artillerie. Le problème c'est qu'ils auraient pu faire plus de pertes s'il n'y avait pas de colline. Ouais. Mais bon, c'est déjà pas mal. Il y a quand même une unité qui fuit. Ouh, il y a un dragon la cave, Oh là là, le dragon de JDD a fait un carnage.
Ah, il a, ah, bon, d'un côté, et on a perdu un. Il a quand même perdu 25 cavaliers. Et là, on a la, on a les cuirassiers. On a les cuirassiers qui arrivent au contact. On voit tous les dragons de JDD. Ouais, JDD fuit. Surtout que JDD a des dragons avec des régiments de 75. Oh là là, encore un dragon. JDD aime beaucoup les dragons. Hein. Bah, il aime beaucoup, oui. Il tire pas avec ses dragons. Ah si, il tire. Voilà. Alors là, j'envoie mon petit corps expéditionnaire. J'envoie mon petit corps expéditionnaire à ce moment. Parce que je me dis, JDD va avoir un peu besoin d'aide. Voilà, ouais, donc il y a deux fusiliers. Et deux lignards. Et deux lignards, ouais. Donc ça fait quand même un corps assez lourd. Le problème, c'est que je sais toujours pas que Pépé a des trucs cachés dans la forêt. Et ça va me. Qui sont quand même assez loin là, ils sont pas en. Mais ils sont loin, mais bon, t'as quand même deux unités d'élite. Et là, ça y est, on a tes mecs qui arrivent. Ouais, mais là, tes mecs. Oh, le tir dans la colline. Alors, ouais, c'est ça, je tire. Je sais pas ce que mes gars ont fait. Mais là. Ils ont fait de la merde. JDD est pas trop mal au niveau du combat de cave. Hein. En train de... Et surtout, il y a ces fusiliers qui sont au contact et qui sont en train de commencer à tailler du Prussien, quoi. Et là, t'avances ton corps de la forêt. Là, je vois que le flanc droit d'Yoon a besoin de renfort. Donc, je vais commencer à avancer mon petit corps d'élite. Mais mon artillerie est en train de finir l'artillerie prussienne et l'artillerie de JDD. Tandis que là, il y a toute ta cave, Scorpion, qui est en train de basculer, ouais, sur le flanc JDD. Ça fait quand même beaucoup. Je me dis, il faut qu'on écrase Yoon au plus vite. Et comme ça, on aura un net avantage sur PP. Surtout ça fait que quand même une sacrée force. Il hein, y a 4 régiments de hussards. Bon. Et là, il y a mon infanterie qui sort du bois là. Je pense que tu l'as vu à ce moment-là. Même si c'est à ce moment que je la vois. Au départ, je me disais, je vais avancer tranquillement. Mais là, c'est à ce moment que je la vois. C'est pour ça que j'ai une unité de fusillés pour contrer la tienne. Pour ne pas me faire déborder comme un. Les gardes du corps de Suède ont quand même pris 20 pertes. Ouais, parce que je joue à touche pipi avec eux, avec mes Jäger prussiens, sous le soutien de mon artillerie. C'est quand même des troupes d'élite. Qui va leur pesandor, donc voilà, on a du duel du fusilier et là JDD a clairement l'avantage au niveau fusilier, il y en a plus, mieux ordonné. Par contre, faut dire que comme il a pas bougé, il a quand même un bon avantage et puis il a une petite colline qui lui permet de tirer encore plus loin. Ouais, et il y a aussi les dragons qui sont venus te mettre une salve dans le cul et il charge au corps à corps avec ses dragons, il est confiant. Il a pas tort, ça désorganise, ouais, les fusiliers, ouais. Et puis ces dragons, ils sont presque inutiles. Bon, il y a mon infanterie de ligne supérieure qui est juste derrière. Oh, ça va salver, ça va salver, ouais. ça va salver. Oh non, même pas. Ah si, ouais. Voilà, les dragons, ils sont mangés. Belle salve. Là, c'est encore assez serré. Hein. Ouais, là clairement, je me rappelle, j'avais les boules. Hein. J'ai commencé à retirer des troupes parce que je vois que Yoon va se faire encercler par le corps lourd du Prussien. Et tu ramènes tes cavaliers, ouais, chez Yoon, vu que t'as vu que moi aussi, ouais, je l'avais fait. Exact. J'ai deux chevaux légers et un cuirassé. Alors t'as avancé ton corps principal, et je me rends compte que malheureusement, j'ai pas le feu. Je peux pas tirer sur ton corps principal parce qu'il y a une putain de colline devant mes canons. Pour ça, là je me dis, allez, je vais avancer, ces canons feront rien et ils vont prendre 15 ans à se déployer. Donc c'est plutôt là, bon. Ouais, là la game n'est pas à notre avantage du tout. J'ai peur que Yoon se fasse souiller, mais ça va Yoon, avec tes fusiliers ont quand même fait le boulot. Hein. Ah bah mes fusiliers ont fait le boulot, mais bon, quand même, il a toujours JDD a toujours l'avantage. Le seul endroit vraiment où je gagne, c'est sur mon flanc gauche, où je suis en train de faire chier les obusiers de JDD, et ses gardes de Suède qui l'avancent et qui reculent, et c'est justement ce que je veux. Mais le problème, c'est que là, JDD sacrifie sa cavalerie un petit peu inutilement, il aurait pu balancer tout d'un coup et finir celle de Yoon. Là, il les envoie un par un, surtout sur des unités qui sont protégées. Et surtout, les dragons sont pas faits pour le corps à corps. Là, ils se font ouvrir par les gardes du corps et les cuirassiers. Il a dû vouloir choper le général. C'est JDD qui aime bien la touche médiévale. Donc là, moi, j'ai redéployé aussi mon corps lourd et je suis en train de redéployer mes canons aussi. Hein. Bon, mes canons sont quasiment foutus, ils sont là pour faire beau. Hein. Ouais. Et encore, on va engager le feu là avec mes fusiliers. Voilà, il y a tes fusiliers, il y a tes Jäger prussiens qui sont en face. Mais j'ai plus de fusiliers là, j'en ai deux. Et enfin, je crois que t'en as deux. Et j'ai mes coureurs des bois, mes singes d'infanterie légère qui sont là. Avec une petite plume sur la tête, j'ai jamais fait gaffe. Sympa. Bah oui. Ouais, là on va avoir une grosse bataille d'infanterie au milieu. Pendant ce temps-là, bah Yoon il fait le café avec ses fusiliers. J'ai gagné le combat de cave, j'ai réussi à me débarrasser. Le JDD a perdu toute sa cave, c'est un. Ah, et puis là, le JDD qui se fait prendre une pilule sur ses gardes du corps, ça a fait plutôt. Ah putain, ça la fout mal, hein. C'est quand même une troupe d'élite. Autant, il vaut mieux protéger les canons avec des miliciens.
Ouais. Plutôt que de, ou de l'infanterie légère de basse qualité. Ah, les, une infanterie légère à 90, c'est toujours très bien pour protéger. Ouais, des coureurs des bois, ça coûte 500 ouais, l'infanterie légère. Ou alors, si tu joues espagnol, tu prends de la guérilla, c'est voilà. De la merde, mais c'est bien. Et là, on a commencé à engager le feu avec nos 125 là. Et les jaggers. Et je redéploie mes canons. Ouais. Et là, ça commence à picoter. Ça va commencer à picoter. Que dis-je. À toi, Scorpion, tu me fais peur là sur mon flanc droit parce que tu peux intervenir comme tu veux. C'est clair, bien, j'avoue que tu bouges pas. Bah oui, mais le problème c'est que toi aussi Tu me rentrais dedans, même mes gardes du corps de Prusse, ils tenaient pas le choc. Hein. C'est pour ça que j'avance un peu mes Jäger pour faire un tir sympathique sur tes gardes de Prusse. Y'a que mes obusiers là qui. Oh là, par contre, je fais quand même des beaux shoots sur ton infanterie de ligne avec mes obusiers. Ah oui, c'est vrai loin, je vois au loin, exact. Là, ils ont. D'ailleurs, j'ai amené mes coureurs des bois, mine de rien, à bout portant, ils font un peu joli petit tir sur les Jäger Prusse. Ils sont pas si mauvais que ça, hein. S'ils se font pas tirer dessus. Ouais, et là, j'ai déployé mes premiers canons. Voilà, c'est parti. Boum. Bon. Bon, encore ça tire sur des tirailleurs, mais ça fait quand même mal. Ah, y a quand même un pan de mec qui vient de tomber là. Puis là, du côté de Yoon, là je commence à me dire bon, c'est peut-être bon de notre côté vu que Yoon commence à perdre pas mal ses tirailleurs. Bah là, JDD quand même, il a l'avantage des tireurs à distance. Je sais pas comment tes tirailleurs tiennent encore là. 30. Ouais, les Prussiens ont un très bon moral, c'est un de leurs avantages. Alors, bien sûr, JDD balance ses gardes du corps. Ouais, mais ça passe, hein. Bah oui, son général. Ah, ouais, pendant ce temps-là, mes Jäger Prussiens, ils sont quand même massacrés. C'est ça le truc. C'est vrai que là, en 1 contre 1, il y a 4 régiments. Oh là, il y a toute la cave de. Il y a toute ta cave scorpion qui arrive. Ouais, là, je me dis, il faut faire craquer. Faut faire craquer. Par contre, dans les gardes du corps Prusse. Ah, ouais, mais ils sont plus. Oh là là, ils sont plus que 50, les gardes du corps Prusse. Ils peuvent plus former le carré. Eh ouais. Mais le problème, c'est que toi, t'arrives. Ouais, c'est vrai que là, il y a mes. Toi, t'as des hussards, Scorpion, c'est pas non plus de la super qualité. Elle est bonne à la charge, mais par contre, sur le combat à longue durée. J'envoie mes chevaux légers, il y a sur les Jäger Prussiens. Bon, les hussards sont bons pour aller choper tout ce qui est léger. Et là, la charge, elle va faire très mal sur les. Elle va cesser d'exister, je pense, l'unité de Jäger Prussiens. Et mes cuirassiers, mon autre régiment de chevaux légers a eu le mérite de faire reculer un peu les. Elle a fait mal. Ah, là, il y a un obus qui va tomber en plein milieu de mes hussards. Oh mon dieu. Et là, JDD me gueule dessus parce que je le protège pas. Ah, il est culotté. Hein. Parce que là, maintenant, nous, on est seulement engagés. Là, j'ai redéployé toutes mes batteries. Ouais, mais de mon côté, t'es bien. C'est ça le problème. C'est t'es bien. Je suis tranquille là. Moi, j'ai tous mes canons qui sont là. J'ai toutes mes batteries qui sont en train de se redéployer. Et là, je vais commencer le repli en règle. Et je suis en train de te battre doucement, mais sûrement quoi. Je vais commencer le repli en règle du côté de JV. Je suis en train de me replier, hein. J'essaye de sauver les meubles. Ouais, je vois ça là, putain, tes mecs ils meurent sur place. Oh, il est. Yoon le fou, c'est 40 gardes du corps de Prusse, tranquille. Moi, je vais sacrifier mes caves en venant bouffer des fusiliers à JDD. Et en même temps, je vais prendre la sauce. Hein. Là de mon côté c'est le repli général. Me dis c'est impossible que je gagne donc je vais laisser mes canons juste pour le faire chier. C'est vrai que ma position est menaçante là avec les 4 batteries dégueulasse. Derrière, j'ai beaucoup de fusiliers. Oh là là et puis tu fais des massacres dans mes linéaires ça. Oh là là. Oh bah là mes canons se font plaisir, hein. J'ai mes 4 batteries qui ont une position mais sublime. Tu m'as détruit mes obusiers là Scorpion en plus. Ah bon, peut-être. Ah oui, t'étais en train de. En fait, tu m'as ramené une infanterie de ligne qui m'a fait chier parce que je pouvais plus du tout survivre. Je sais pas, de ce côté, je balançais ma cave au pif. Hein. Je me disais, ça va peut-être aider JDD. On avait quand même une sacrée micro-gestion à faire, mais là, JDD, ça va encore. Je veux dire, il a encore des forces. Mais toute son infanterie de ligne est intacte. Hein. Et voilà, il a son corps lourd. Oh, mais JDD, putain. Ces gardes du camp de Suède qui sont encore à courir après des fusillés, hein. Tu le trolls, hein. Et surtout qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Engager des tirailleurs de Suède au 1 contre 1 avec des tirailleurs à 125, c'est la défaite assurée. Oh la boucherie ici, je vois les unités de Yoon qui fuient, du Jäger, du Garde du Corpus. Mes mecs, les miens aussi, là j'ai mes deux chevaux légers qui foutent le camp. Et mes cuirassiers. Ah, mais c'est l'arrivée de ma cave. Et là, mais là moi j'ai peur parce que vous avez votre aile droite là est monstrueusement forte quoi. Je vais commencer à ratisser tout ce qui est fusilier prussien. Là. Bah justement, je te les laisse en fait mes fusiliers là parce que je voulais juste me replier ma ligne en bon ordre. Parce que t'as quand même une ligne qui est encore lourde, hein, 116, 119, 119, 120, t'as quand même. Et là moi je suis comme ça, Yoon, replie-toi vers moi et tout. Parce que là j'ai toute mon armée qui arrive, hein, et il y a du lourd.
Il y a tout du intact. Bien lourd. Là, j'ai peut-être balancé une petite salve dans les vieillards là, mais ça tient, ça tombe, mais ça tient quoi. Ça problème. Je vais aller me débarrasser de tes derniers canons qui sont en haut là. Bah ouais, oui, de toute façon ils servaient tellement à rien donc. Ah mes pauvres Jagger, ils se sont remplis plein la gueule pour pas un rond là. Par contre là les petits vieux là ils se prennent. Infanterie vieux ils ont 30 pertes, mais bon j'ai mon Scottish, mon Irish oui. Qui arrive à 118. Et je pense que lui va réussir à faire un beau tir. Ah ouais. Là je fais un peu de kitting hein, sur tes élites. Et là je réussirai à tirer je pense pas. Ouais, mais t'as tiré un petit peu avec tes vieux, mais. Ouais, non, mais voilà, c'est. T'as fait 5 pertes. Bon, après, là, le problème, c'est que je pourrais plus me replier, ouais. À part. Et surtout, j'ai mes fusiliers qui. J'ai mes 4 régiments de tirailleurs qui arrivent derrière. Donc là, je finis tout ce qui est fusilier de Yoon, comme ça sera plus en partant. JDD a encore une bonne force, et Yoon s'est bien replié. Ouais, bah là, JDD, lui, il veut m'attaquer. Là, ouais, il vient me chercher. Et ouais, mais par contre, il vient en bordel avec deux infanteries de ligne supérieure qui sont stackées. J'ai pas trouvé ça très judicieux vu que JDD aurait pu m'aider au niveau du combat de tirailleurs pour éliminer toute l'infanterie française. La prise de fight est très mauvaise de JDD là. Ouais, là, le problème c'est qu'il envoie tout un par un et. Ouais, là c'est pas bon. Hein. Ouais, bah là, j'essaye vraiment de lui faire les crossfire et la supériorité numérique pour qu'il tombe pas. Et son infanterie de ligne supérieure commence déjà à rentrer en déroute. Yoon a une magnifique ligne en plus, c'est ça le problème. C'est clair, Yoon, t'as réussi à garder une belle ligne et t'as toute ton infanterie. Et alors ça, que t'as beaucoup. Ah, c'est pour ça, justement, à la limite que t'ailles chercher mes Jagger Scorpion, moi ça m'a arrangé. Ils étaient tellement cassés qu'au final, même si tu me les avais laissés, bon bah ça aurait rien changé. Ouais, mais bon, j'allais pas envoyer des hussards sur de la ligne quoi. C'était un peu suffisant. Ouais, mais bon, pour les tenir suffisamment longtemps pour que JDD amène son infanterie et me tire dessus, c'était suffisant. Bon, là j'ai encore pas mal de hussards donc je suis plutôt content de mes moves. J'ai beaucoup de hussards et qui me restent. Mon infanterie de ligne est encore en bon état, moins oui. Que la mienne. 83, 84, 103. 60, tirailleurs pleins. J'ai encore un grenadier complet. Un grenadier complet, une garde du corps pas dégueu. Donc oui, là, je, niveau infanterie de ligne, je me dis je peux tenir quand même le choc. Mais bon, après faut voir du côté de JDD. Et JDD, le pauvre, bah là, ça commence à puer du derge. Parce que là, je détache deux lignards en vitesse pour venir aider Yoon. Et bah là, Yoon, on va prendre l'infanterie de ligne en deux feux. Et là, ça va être affreux. Hein. Moi j'essaie de l'aider comme je peux, mais vu comme il envoie un par un, là j'ai peur. Il envoie un par un, et puis bah moi j'arrive à peu près à contrer partout puisque j'ai plus que ça à gérer. Ouais. Parce que là j'arrive à tenir Pépé, même s'il pourrait m'écraser en arrivant, mais bon, c'est quand même. T'as quand même une force qui est pas négligeable, donc je préfère utiliser toujours mes canons parce que moi je redéploie mes canons hein, à chaque fois qu'ils se replient. Là, malheureusement, mes canons j'ai fait de la merde, j'ai mal redéployé, il tient dans la colline, hein. C'est tout moi ça. Et là on a un duel de fusiliers. Bon, très simple. Ouais. Et par contre, bah avec mes deux régiments de lignards, bah on vient écraser JDD. Voilà. Ce qui reste de ligne de JDD quoi. En plus il y a des canons, ce qui reste des canons de Yoon qui font des tirs parfaits dans les lignards. Ah oui, exact, il y a deux petits canons de Yoon là qui. Bah oui, ils étaient sur le flanc gauche de Yoon depuis le début et il les a redéployés là-haut, je crois. Bah vu qu'ils sont rapides, j'ai pu les dégager rapidement. On a un gros corps à corps de cavalerie, de hussards. Ouais, le problème c'est que là, JDD perd toutes ses troupes une par une, ça tombe à une vitesse. Il a engagé un corps à corps avec le garde du corps d'infanterie de Suède et de l'infanterie de ligne supérieure, ce qui n'est pas le meilleur choix. Mais les gardes du corps de Suède auraient pu me battre, mais ils étaient tellement fatigués à force de et là, courir. JDD fait encore un corps à corps, infanterie de ligne supérieure. Courir après des fusillés. Donc voilà. Là t'avances tes lignières sur mon flanc 3. Ouais là je décide, je veux commencer à te mettre de la pression parce que j'ai quand même des troupes fraîches hein, 120, oui, 120, bah oui. Putain, elles ont pas encore tiré de la game, celle-là, go quoi. Et elles ont pas couru ni rien, donc là t'es... Bon, les miennes aussi sont fraîches, mais bon, elles sont un peu moins nombreuses. Et j'ai encore mon royal écossais derrière qui est à 118, donc je me dis allez hop c'est parti, on va... Quitte à prendre quelques pertes contre l'infanterie, contre la light. Autant y aller. Là tu fais un méchant tir croisé sur une unité. En haut là, exact, ouais. Bah là j'ai quand même 3 tirailleurs. 3 tirailleurs qui font le café. Bah en fait là je redéploie mes canons hein. Et là je vois ta cave et je me dis putain avec sa cave, il va peut-être venir essayer de prendre mes balles. Ouais, voilà. Ah j'étais un peu en panique là. C'est pour ça que j'aurais dû faire ça il y a bien longtemps parce que là ils ont fait pas mal de salves, tes mecs ils pourront pas tirer sans avoir rechargé. J'aurais dû direct amener ma cave. Ouais. Bon, avec des si on referait le monde. Et là j'ai un canon qui est bugué, mais le singe, le babouin.
Et je replie un tirailleur en vitesse pour essayer de venir protéger mes canons. Je vais faire ça de ta vue, mais la première salve passe. Oh, si, si, la première a fait mal. La seconde a fait... Là, ouais. Oh. Là, ça descend. Ça se voit que c'est des gardes hein, qui tirent. Oh là là, ouais. Oh, celle-là. Ouais, là, ça fait très mal. Et ça fuit, ouais. Là, je me dis, c'est un... là, je peux pas y aller. Et après, il va tirer au canister, il va me bousiller ce qui reste. Et puis là, tu replies ton écossais. Donc là, c'est plus possible. Et là, maintenant, avec Yoon... Le vent de la contre-attaque, donc on va finir le Prussien. Yoon vient se mettre sur mon flanc gauche. Bah là, tu m'as aidé à me décoincer. Je redéploie mon armée en essayant de la faire en bon ordre. Puis JDD, hein, le restant de la colère de Dieu avec ses deux fusiliers et son général. Ouais. C'est vrai que JDD. Fusiliers qui se sont reformés d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que JDD. C'était rentré en déroute à la base, mais n'ayant plus de cap, j'avais pas pu pouvoir les dégager. Et là, c'est la mise à mort. Hein. Mais il reste quand même des obusiers à JDD. Il y a encore ces canons derrière là, on les voit là, il y a encore deux batteries. Hein. Et je crois qu'ils vont faire deux. Non, je crois pas qu'ils vont faire des tirs valables après. Bon, là, bien sûr, mes tirailleurs se font ouvrir. Bah là, maintenant, ils sont à portée de mes lignards. Et là, les lignards, bon. Bah, les lignards français sont pas exceptionnels, hein, mais ils ont un bon rapport qualité, on va dire. Et on peut en prendre beaucoup, mais ils ont un moral moins fort que les Brits ou les Prussiens. Et là, Yoon décide la charge générale. Yoon, il y va bourrin, tu sais, il attend même pas que. Il utilise même pas notre avantage numérique pour encercler proprement. Et là, JDD attaque avec 20 fusiliers au corps à corps. Il a peut-être plus. Ça se trouve, il a plus de munitions parce que je pense qu'ils ont beaucoup tiré les fusiliers de JDD. Oui, ils ont beaucoup tiré. Bon, là, il vient prendre les canons de JDD, donc là, c'est la fin. Ouais, hein, ouais. Ouais, là, il me restait en fait deux unités de cavalerie, donc je les utilise pour les dégager. Dont tes gardes du corps hein, qui sont. Puis les lignières supérieures qui tirent à bout portant de mes infanteries de ligne, ça fait très mal. Et là, ouais, bah là. Là, ce qui reste d'infanterie de ligne qui est en train de se mettre sur gamme. Mais bon, l'infanterie de ligne prussienne, là j'ai un régiment, ils sont 50% de perte déjà. Hein. Là j'envoie mes grenadiers, on va tenter de balancer des petites, petites patates. Mais le problème c'est que là t'as tes lignes qui avaient rechargé, donc c'est un peloton d'exécution. 80. C'est valeureux. Ah, ouais, ah non, c'est les gardes du corps plus que je vois. Ah oui, oh les grenadiers. Alors il faut toujours mettre les grenadiers derrière de l'infanterie de ligne. Et comme ça vous les faites avancer une fois que vous voyez que les mecs en face sont tirés. Mais là, putain, là. Oh. Les pauvres quoi. Ah, c'est un peloton d'exécution. Alors là, bien sûr, le général de JDD se fait abattre. Ce qui est tout à fait logique depuis le temps qu'il devait mourir. Les gardes du corps de plus que je soupçonne de tirer dans la colline. Et non, là, mais bon, c'est là, une technique là, de. Là, c'est la Ali. Hein. Y a mon royal écossais qui fait fuir. Qui fait Montez. Fuir de. Un régiment de lignards. Bon, mes gardes du corps de Prusse ont sauvé leur honneur en faisant fuir des vieux, mais bon, hein, ils étaient tellement peu nombreux que c'est normal. Oui, ils avaient ramassé les vieux avec ta légère. Hein. Et bon, là il ne reste plus rien. C'est fini. en train de tout péter sur le flanc gauche et là, bah, Ah, bah là, moi j'en ai plus rien à foutre, je rentre dans le tas. Bon, bah, t'as tout à fait raison, de toute façon, là, mon général meurt, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. La pauvre infanterie de ligne de scorpion qui se met en carré. Devant les canons, ce qui n'est pas la meilleure des options. Mon garde du corps de Prusse fait une résistance épique contre un lignard. Ouais, je le vois là, il est. Putain, il meurt sur place, mec. Hein. Soit 70 tués, ça tient. Mais bon, là. Les gardes du corps de Prusse, ils sont vachement de moins. Bon, bah là, c'est fini, c'est hein, j'ai fin, plus de légère. Et j'ai, j'ai mes gardes du corps de Prusse qui sont ouvrir par des tirailleurs, mais méchamment. Ouais, okay, et ça fait un beau carré quand même. Hein. Bah oui, mais le problème, c'est que. Bon, en face, il y a beaucoup là. Exactement. C'est fini pour ces valeureux Prussiens. Les gardes du corps fuient. Non, mais là, c'était pas un massacre unilatéral parce qu'on s'est vraiment cassé la figure tous autant qu'on est. Quoique, j'ai quand même bien minimisé les pertes. Hein. J'ai perdu 469 mecs, ce qui est pas mal. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que moi j'ai autant de pertes que les deux défaits, quoi. Ouais, putain, c'est vrai que JDD a 1579. Je pense que c'est JDD qui a été le moins rentable en termes de ratio pertes tuées parce que. Il a tué 580 ennemis, tué 1079. Non, bon bah GG, c'était une belle game. Hein. Dommage, j'en avais pas JDD, il est occupé à miner sur la bonne line, donc il peut pas être partout à la fois. Donc c'était Yoonstar, Scorpion et Petit Poussé. On vous dit à ciao. Ciao.